Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal, très heureuse de vous retrouver. À la une ce soir, les Espagnols retiennent leur souffle à l'heure des tout premiers dépouillements des bulletins de vote à l'issue de législatives décisives. Marqueront-elles le grand retour de la droite? Sur place, nos envoyés spéciaux, suivis de l'analyse de notre consultant, Zakaria Aboudahab. À la veille de la fête du trône, nous évoquons chaque soir, depuis le début de la semaine, une thématique liée au grand chantier de développement initié par Sa Majesté le Roi. Elle est dédiée à la formation professionnelle érigée par le souverain en priorité nationale, un engagement et des séries de mesures dont nous parlerons en compagnie de Youssef Chéri, directeur de communication de l'OFPPT. Améliorer le revenu des agriculteurs, les rendre moins vulnérables au changement climatique, c'est l'ambition du ministère de l'Agriculture qui souhaite à travers des projets solidaires planter des hectares de culture. Nous serons du côté de Khnifra où quelques 2000 hectares de rosacées ont vu le jour. Voilà pour les titres. 37 millions d'Espagnols étaient appelés aux urnes pour les élections générales tout au long de ce dimanche. Les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus d'une heure. Les électeurs ont dû départager quatre principaux candidats. La coalition de gauche de Pedro Sanchez, qui est d'ailleurs sous la menace d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Pedro Sanchez ayant subi d'ailleurs une très lourde défaite lors des élections municipales et régionales il y a quelques semaines. Il a fait le choix d'avancer ce scrutin de 6 mois dans une tentative de contrer ses adversaires. Y parviendra-t-il? La situation reste pour le moment indécise. Et pour analyser les enjeux de ce scrutin, on retrouve en direct de Rabat notre consultant en relations internationales, Zakaria Aboudahab. Bonsoir. Quels sont les enjeux de ce scrutin? À mon avis, ce sont des enjeux qui peuvent être situés à un double niveau. Le premier, sur le plan interne, évidemment, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, après la déroute de mai 2023, M. Pedro Sanchez, l'actuel chef du gouvernement, avait anticipé les élections législatives qui devaient se tenir en décembre 2023 pour vérifier si effectivement cette chute allait se confirmer ou pas par rapport aux élections d'aujourd'hui, le scrutin d'aujourd'hui. Deuxième chose, il y a quand même une propension, nous l'avons constaté, du Parti populaire avec potentiellement un allié, à savoir le parti d'extrême droite Vox, qui évidemment aujourd'hui, d'après les pronostics, serait probablement le gagnant de ce scrutin, mais on ne peut pas se prononcer, bien entendu, que lorsque les résultats finaux auront été prononcés. Un troisième élément, je le crois, sur le plan européen, il est remarquable de constater qu'il y a quand même une certaine réémergence des partis d'extrême droite en Italie, avec Madame Meloni. Nous l'avons vu aussi avec le débat qui a eu lieu lors des élections présidentielles en France, avec cette droite un peu particulière, extrême droite. Et aujourd'hui en Espagne, donc prochainement, vous savez, en mai-juin 2024, il y aura les élections pour renouveler le Parlement européen et l'extrême droite compte probablement constituer une sorte de coalition. Donc on voit quand même qu'il y a, si vous voulez, un peu des séismes politiques et géopolitiques. Et aujourd'hui, il faut évidemment attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prononciation finale des résultats du scrutin d'aujourd'hui pour se prononcer sur éventuellement les scénarios possibles par rapport aux 4 prochaines années de la vie politique en Espagne. Alors vous l'avez évoqué très brièvement, comment expliquer le choix, professeur, de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement? Il a décidé de convoquer les Espagnols en plein cœur de l'été, 6 mois plus tôt que prévu. 2 ou 3 éléments explicatifs. Le premier, c'est d'abord, il cherchait quand même à faire coïncider les élections avec la présidence espagnole de l'Union européenne, parce qu'à partir du 1er juillet, ce mois-ci, l'Espagne avait pris les arènes du Conseil de l'Union européenne. Donc elle a présidé le Conseil de l'Union européenne. Ça, c'est le premier. Deuxième élément, tous les observateurs avancent que les 4 dernières années ont été, sur le plan économique, très réussies. Sur le plan, par exemple, de la jugulation du chômage, sur le plan également donc de l'employabilité, je viens de le dire, sur le plan de la croissance économique, il y avait des questions liées à l'inflation, mais grosso modo, pour lui, il était peut-être l'occasion aujourd'hui d'avoir un débat avec ses adversaires politiques sur précisément ce bilan, mais au final, ça n'a pas eu lieu. Je pense que le troisième facteur, c'est qu'il fallait qu'il ait une certaine visibilité politique pour éviter la rentrée politique, parce que normalement, il devait savoir s'il allait continuer encore à implémenter
son programme politique ou bien encore carrément passer la clé à ses opposants. Alors, à cet instant, il y a bien une chose sur laquelle on peut se prononcer. Comment est-ce que vous imaginez les relations Espagne-Maroc à l'issue de ce scrutin, quel que soit le scénario? Alors, c'est la grande question, il faut le dire, mais vous savez, il n'y a pas d'automatisme ou d'automaticité. En général, que ce soit avec le Parti socialiste ouvrier espagnol, que ce soit avec le Parti populaire, donc qui est un parti, si vous voulez, conservateur, chrétien, de droite de façon générale, les relations avec le Maroc étaient en dents de scie, si vous voulez. Donc, il n'y a pas systématiquement un adossement d'un parti à une position donnée. C'est vrai, comme on le dit, le style, c'est l'homme. Mais ce qu'il faut dire, qu'il y a une chose d'abord, c'est avant le 23 juillet et après le 23 juillet. Avant, nous avons remarqué que les relations avec l'Espagne ont évolué très positivement. Il y a peut-être des suspicions, il y a des attentes. Mais en général, on peut dire que l'essentiel pour le Maroc, c'est de contractualiser la relation avec l'État espagnol dans son ensemble, y compris avec les institutions législatives et autres. Et donc, probablement, après donc, la constitution d'un nouveau gouvernement et la déclaration de politique générale, à ce moment-là, nous allons apprécier quelle est la portée de la politique espagnole par rapport au Maroc. Et à ce moment-là, encore une fois, on pourrait évaluer plus précisément, encore une fois, le degré d'engagement de l'Espagne par rapport à ce qu'elle a déjà pris dans le cadre de la déclaration commune de 2002 et du plan d'action qui a été décliné en février 2023. Merci beaucoup, professeur Abou Dahab, pour cette analyse. Et les membres de l'importante diaspora marocaine établie en Espagne et inscrits sur les listes électorales ont également participé à ces législatives. Comment les Espagnols d'origine marocaine ont-ils voté? Quelles sont leurs attentes? Adil UTT et Abdel Fattah Moumen les ont sondés. Les législatives espagnoles sont l'occasion d'influencer le cours de la politique dans le pays. Parmi les 37 millions d'électeurs conviés aux urnes, plusieurs citoyens sont d'origine marocaine et entendent bien contribuer à la construction de l'Espagne de demain. Parmi eux, Mohamed Dahiri, ce professeur universitaire est installé dans le royaume ibérique depuis une trentaine d'années. Il est conscient de la tournure des événements dans le pays. Nous faisons face à deux projets contradictoires. D'un côté, nous avons un projet qui rêve d'une Espagne faisant partie des pays développés d'Europe, avec une forte tendance au respect des droits des personnes et des communautés et qui œuvre à promouvoir le vivre ensemble au sein de toutes les composantes de la société. Plusieurs facteurs sont pris en compte dans les choix opérés par les électeurs. Ils s'articulent autour de critères socio-économiques, tributaires des attentes des uns et des autres. Toutefois, pour certains, les relations avec le pays d'origine pèsent lourd dans la balance au moment de déposer le bulletin de vote dans l'urne. Comme homme d'affaires, je base mon vote sur la récupération économique de l'Espagne, la baisse des impôts des grandes sociétés pour qu'on puisse développer le pays et créer beaucoup d'emplois. Et après, en tant que Marocain, je veux voter un parti qui a une relation stable basée sur le respect avec mon pays, le Maroc. En allant voter, j'ai surtout pris en compte la politique extérieure des partis en lice avec mon pays d'origine. Il faut que ces relations soient bonnes. Concernant la politique intérieure, j'ai opté pour la formation qui prend en compte l'amélioration des conditions sociales et économiques des immigrés. L'Espagne se doit de choisir sa voie. Et pour ce faire, elle se doit surtout d'être à l'écoute des voix de ses électeurs. Contrairement aux 800 000 Marocains résidents permanents ici en Espagne, Mohamed, Aziza et Youssef ont leur mot à dire dans un scrutin qui déterminera l'avenir du pays à plus d'un titre. L'actualité en Europe, toujours marquée par le conflit russo-ukrainien. La ville d'Odessa, régulièrement visée par des frappes russes et dont le centre historique a été inscrit en début d'année au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a été la cible d'une nouvelle attaque la nuit dernière, dans laquelle deux personnes ont trouvé la mort. Plusieurs monuments architecturaux, parmi lesquels une cathédrale, ont subi des dommages lors de cette attaque qui a également provoqué des coupures de courant. Kiev dénonce des crimes de guerre et promet des représailles. Les vacances ont viré au cauchemar pour des dizaines de milliers de touristes en Grèce. L'île de Rhodes fait en ce moment face à des températures écrasantes, jusqu'à 46 degrés, un mercure à l'origine de multiples feux de forêt.
Les vacanciers ont dû être évacués de toute urgence, les flammes s'étant rapprochées très rapidement de leur résidence touristique. Les aéroports ont également été pris d'assaut. Les hôtels sont menacés par les flammes et les secours, en raison des vents forts, ne sont pas encore arrivés à bout de l'incendie. Retour au Maroc. Comme chaque soir, depuis le début de la semaine, à l'occasion de la fête du trône, nous évoquons une thématique visant à mettre en lumière les chantiers de développement initiés par Sa Majesté le Roi. Elle est dédiée ce soir à la formation professionnelle érigée en priorité royale. Le secteur est en pleine mutation à la faveur du lancement en 2019 d'une nouvelle feuille de route. Oussama Bkhali redéroule le fil de ces 4 dernières années. C'est un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération s'appuyant sur l'excellence et l'innovation. La Cité des métiers et des compétences de la région Rabat Saleh Knetra, inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 30 mai dernier, est la quatrième en son genre et a été précédée des régions de l'Aïoun, de l'Oriental et de Sousmassa. Ces cités sont une déclinaison de la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle qui a établi de nouveaux critères pédagogiques et de gouvernance. Cette cité va apporter grande aide aux jeunes formés. 700 lits sont dédiés à celles et ceux qui habitent loin et ils recevront en 2 ans une formation qui leur permettra d'intégrer le marché de l'emploi. Le taux d'intégration de l'Office de la formation professionnelle de la promotion du travail sur le marché est très élevé et dépasse les 80% la majorité du temps. Édifiée sur 10 hectares, la Cité des métiers et des compétences de Temsna abrite 6 pôles sectoriels de formation, ainsi que des structures communes telles qu'un centre de soft skills, un centre d'orientation professionnelle, ainsi qu'une chaîne d'innovation digitale permettant un apprentissage proche de la réalité de l'entreprise. Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la formation professionnelle et du travail manuel dans l'insertion des jeunes. Sont concernés en premier lieu les métiers de l'artisanat qui assurent aux praticiens un revenu décent et une vie digne. Ensuite, les industries agroalimentaires et les professions agricoles qui devraient être implantées dans les zones de production. Fin novembre 2018, Sa Majesté le Roi présidait une séance de travail consacrée au suivi de la question de la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Une réunion qui dessinera les grandes lignes et qui vient en prélude à la création des cités des métiers des compétences. Le fait que Sa Majesté le Roi ait pris en charge ce dossier en réunissant le chef du gouvernement et tous les pôles concernés par la formation professionnelle démontre la clairvoyance de cette stratégie mise en place. Le monde digital a ouvert la voie à de nombreux nouveaux métiers devenus essentiels dans le marché du travail et dans le fonctionnement des entreprises, d'où l'importance de l'initiative du souverain. La CMC m'a permis de découvrir de nouvelles compétences demandées par les employeurs, surtout que dans la formation de techniciens comme dans celle de techniciens spécialisés, certains requis sont assez pointus. Cet établissement s'appuie non seulement sur l'apprentissage des pratiques professionnelles, mais également sur le développement de soft skills et l'apprentissage des langues. Valorisation de la formation et proximité des programmes de la réalité des entreprises, ces cités viennent moderniser le paysage de la formation professionnelle au Royaume. Au total, le pays se dotera de 12 cités de ce genre. Des changements qui visent à assurer un développement durable et responsable du secteur de la formation professionnelle, mais pas seulement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Youssef Chéri. Bonsoir, vous êtes le directeur de communication de l'OFPPT. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a un avant et un après 2019 en ce qui concerne la formation, l'accompagnement, mais aussi la place de l'élément humain ? Absolument, parce qu'en 2018, Sa Majesté avait appelé à une remise en question du dispositif de la formation professionnelle, notamment pour permettre à ce dispositif de proposer à ces jeunes une offre de formation qui s'adapte à la réalité du marché du travail et qui s'adapte aussi aux besoins des entreprises, et aussi une offre de formation avec une qualité considérable, avec une attention particulière à l'orientation précoce et particulièrement à l'introduction des langues étrangères et soft skills. Donc mieux prendre en compte les envies des stagiaires. L'idée dès le départ était aussi de créer une nouvelle génération de centres de formation professionnelle. C'est chose faite à travers la création des 12 CMC, les centres des métiers et des compétences. Quelles sont leurs particularités ?
Alors justement, dans le cas de cette nouvelle feuille de route qui a été présentée devant Sa Majesté en avril 2019, donc qui a comme épine dorsale le programme des cités des métiers de compétences, en plus de programmes qui visent aussi la mise au niveau de l'ensemble du dispositif et de l'offre de formation, de l'orientation et aussi l'amélioration de l'employabilité. Alors, le programme CMC est un programme innovant qui vise la création d'établissements nouvelle génération. Ces établissements vont constituer la locomotive qui va attirer l'ensemble du dispositif de la formation professionnelle vers le haut. Ils constituent le modèle et donc c'est ce modèle. Donc tout ce que nous développons pour les cités des métiers de compétences, il va bénéficier à l'ensemble du dispositif pour nous permettre de l'upgrader. Le concept des CMC a été pensé autour d'un triptyque, donc qui est d'abord une offre de formation actualisée. Donc c'est une offre de formation 100% nouvelle, donc avec 60% des filières nouvellement créées et 40% des filières qui existaient mais qui ont été actualisées. Donc, c'est une offre à 100% nouvelle et qui est aussi déployée à travers un modèle pédagogique innovant, un nouveau modèle pédagogique qui met le stagiaire. Justement, de quelle manière elle s'adapte aux régions, très précisément? Alors, de quelle manière il s'adapte aux régions? Justement, parce qu'il a été pensé. D'abord avec les professionnels, avec les entreprises. Donc on a monté des commissions sectorielles donc, qui ont intégré l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle, la CGM, les fédérations professionnelles, les départements ministériels concernés, les entreprises de référence dans chaque secteur. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir une offre de formation nationale. Et puis donc, pour chaque région, l'offre de formation de chaque CMC a été concerté avec les acteurs régionaux. Donc à travers des workshops au niveau régional, donc qui nous ont permis justement de recueillir un peu les besoins, parce que ce sont les territoires et les acteurs du territoire donc qui connaissent le mieux leurs besoins en compétences. Il faut dire aussi que les conseils régionaux ont eu une contribution aussi financière au financement de ce programme des cités des métiers de compétences, donc qui remonte à pratiquement 800 millions de dirhams. Voilà, un investissement considérable, mais aussi de belles remontées à venir. Absolument. Retombées, pardon. Merci beaucoup, monsieur Chéri, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un autre défi, et pas des moindres, que s'est lancé le Royaume, celui de la numérisation. Pour l'accompagner sur cette trajectoire, une rencontre baptisée JIBMEX, où elle rassemble 200 entrepreneurs. Ambition affichée, développer le commerce électronique en plein essor. Les revenus de ce secteur devraient atteindre 30 milliards de dirhams dans moins de 4 ans. Wissala Allem. Comment choisir un produit gagnant? Comment choisir une niche? De nombreuses questions liées au commerce électronique ont été adressées à des entrepreneurs ayant réussi à développer leur activité. JIBMEX ou elle a offert l'occasion à 200 entrepreneurs débutants de trouver des réponses à leurs questions. De nombreux jeunes se sont intéressés au commerce électronique, mais ont rapidement abandonné en raison des difficultés rencontrées. Aujourd'hui, nous leur avons demandé d'apporter les questions qui les préoccupent et nous, en tant qu'experts, nous leur donnerons les réponses et solutions adéquates. Nous espérons que ce type d'événement renforcera ce domaine au Maroc et en Afrique en général. On est là comme experts dans les e-commerce pour vendre et pour expliquer et pour donner une feuille de route à ces gens-là qui se posent des questions et veulent gagner leur vie. La concentration est maximale du côté des participants venus de toutes les régions du royaume. Les esprits s'aiguisent, les idées fusent et les expériences se partagent avec enthousiasme. Mais au-delà de l'échange d'idées, cette journée vise également à tisser des liens solides entre ces pionniers du numérique. Je suis venue à cet événement en tant que débutante. J'ai beaucoup de questions à poser et je profitais de l'expérience des speakers expérimentés dans le domaine. Même si que tu arrives à un niveau, il y a toujours quelqu'un qui est expérimenté que vous et c'est mieux d'avoir de nouvelles connaissances. Création de valeur, innovation, auto-emploi, le commerce électronique ouvre de nouvelles perspectives pour de nombreux Marocains, ne se limitant qu'à l'imagination de ces entrepreneurs.
Restez avec nous à suivre en seconde partie de votre journal, comme chaque week-end, dans le cadre de sa chronique InfoSport. Jamel Oualem nous offre un tour d'horizon de l'actualité sportive. Il dédie sa chronique aux Lyonnes de l'Atlas qui s'apprêtent à faire leur entrée en lice dans le cadre de la Coupe du Monde féminine. Et puis enfin, un festival qui rend hommage à un art ancestral, la Drqaroudania, moins connue et pourtant plus ancienne que la Marrakchia. Un voyage à Tel Oudent, au cœur des traditions et de mélodies qui ont transcendé les époques. Mais avant, focus sur ces projets solidaires initiés par le ministère de l'Agriculture et qui va permettre, à travers de nouvelles plantations, d'améliorer les revenus des petits producteurs. Une localité de la province de Khnifra en a fait récemment l'objet. Plus de 3000 hectares de rosacées et de caroubiers sont sortis de terre. Sarah Jabri et Delis Cohen. Dans la commune rurale d'Aït Ishaq, sur ce vaste terrain, des caroubiers et des oliviers seront plantés sur 700 hectares. Ce projet d'agriculture solidaire porte également sur l'aménagement de séguia sur 8 km et de pistes agricoles sur près de 6 km. Les agriculteurs sont très optimistes, car c'est un projet qui va leur permettre d'améliorer leurs revenus. Nous allons recevoir également le matériel nécessaire pour mener à bien ce projet, et nous sommes très motivés. La réalisation du projet nécessite 20 millions de dirhams destinés en partie à l'acquisition d'équipements techniques et à l'accompagnement des 420 bénéficiaires, des petits agriculteurs qui se lancent dans des cultures alternatives qui s'adaptent au changement climatique. Ces projets concernent des filières porteuses. L'objectif est d'encourager ces cultures qui impactent positivement le niveau de vie des petits agriculteurs dans la province, principalement la culture des rosacées, comme le pommier ou encore le caroubier ou l'olivier. A noter que le plan agricole provincial de la stratégie Génération Green 2020-2030 mobilise 1,25 milliard de dirhams au niveau de la province de Khnifra. Les vacances d'été sont synonymes très souvent de périodes critiques pour les centres nationaux de transfusion. Les donneurs partent en vacances et la pénurie guette. À Martil, près de Tétouan, la collecte a donc lieu au plus près des estivants, en face de la plage, sous une tente éphémère. Abdelrahim Bouhadioui et Amina Menkhalq. Sur la corniche de Martil, c'est toute une équipe médicale qui se déplace tous les soirs pour récolter des dons de sang. Une caravane mobile qui attire les estivants. Certains ici font ce geste qui peut sauver des vies pour la toute première fois. Pour d'autres, c'est un réflexe. Je marchais sur la corniche et cette caravane a attiré mon attention. C'est la première fois que je donne mon sang. Je donne mon sang chaque année à Martil. Je viens de Fès pour passer mes vacances ici. Cette campagne organisée par la société civile en partenariat avec le Centre régional de transfusion sanguine de Tétouan en est à sa 9e édition. Elle se fixe comme objectif la récolte d'au moins 100 poches de sang par jour. Pour nous permettre de récolter un nombre important de poches de sang, nous appelons les donneurs à venir en famille. Notre objectif est d'aller à la rencontre des donneurs. C'est ainsi que l'on pourra faire des réserves. C'est crucial pendant la période estivale. Un sujet crucial car les stocks atteignent des niveaux alarmants pendant la période estivale selon les spécialistes. Ils rappellent que plus de 1000 dons par jour sont nécessaires pour atteindre l'autosuffisance en poche de sang. L'ancien international marocain Hassan Amcharat, connu sous le nom d'Assila, est décédé hier à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par son ancien club, le Shabab Mohammedia. Feu Assila avait porté le maillot de l'équipe nationale de football pendant les années 1970. Le défunt avait d'ailleurs effectué une saison éblouissante en remportant la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Éthiopie en 1976 avec les Lions de l'Atlas. Les Lyonnes de l'Atlas, elles, s'apprêtent à faire leur entrée en lice face à l'Allemagne dans le cadre de la Coupe du Monde féminine organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Que faut-il retenir de la conférence de presse à la veille de leur première rencontre? Reportage de nos envoyés spéciaux Hicham Ralfaoui, Mohamed Magri, le récit de Marwan Zrari. Quelques heures nous séparent du premier duel des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde féminine. Le coach Renald Pedros a apporté ses dernières retouches à l'effectif lors de la traditionnelle séance d'entraînement d'avant-match pour être fin prêt à défier les Allemandes, double champion du monde. On a tellement envie d'y être
que voilà, ça prédomine sur le fait que, je pense, on joue une équipe qui nous est normalement largement supérieure. Et dans l'envie, en tout cas, on doit... L'envie, la détermination, on doit certainement être meilleur que cette équipe. La communauté marocaine établie en Australie se prépare elle aussi à soutenir les Lions de l'Atlas en Coupe du Monde. Plusieurs ressortissants marocains ont été aperçus dans les fan zones et ils ne cachent pas leur fierté de voir le Maroc, unique représentant arabe dans ce mondial. Très contente d'accueillir la sélection marocaine en Australie, la première équipe arabe de l'histoire qui prend part à la Coupe du Monde féminine. Nous sommes fiers d'elle et impatientes d'assister à leur premier match. Toute la communauté arabe attend leur entrée en lice. Le match affiche déjà guichet fermé. On est impatiente de les voir en compétition. Pour une première participation historique au mondial, les Lions de l'Atlas vont devoir bien gérer leur premier duel de phase de poule pour garder le moral au beau fixe et aborder les prochains matchs avec détermination et confiance. Sachez enfin que le match est programmé en fin de soirée à Melbourne, 9h30 du matin, heure marocaine. Et à ce propos, je me tourne vers vous, Jamal Oualem, bonsoir. Bonsoir. Les Lions de l'Atlas sont à quelques heures de commencer leur grande aventure en Coupe du Monde. Le 24 juillet 2023 sera un jour à marquer d'une pierre blanche, ma sœur Chalima, pour le football féminin marocain. Pour la première fois, les 11 actrices vont écouter l'hymne national retentir lors d'une Coupe du Monde de football féminin. L'AMI Park de Melbourne, connu sous le nom de stade rectangulaire, sera donc le théâtre des premières foulées mondiales marocaines. Une première historique qui valide la stratégie de la Fédération royale marocaine de football, qui a mis l'accent depuis plusieurs années sur le développement du football féminin. Après une Coupe d'Afrique des Nations à domicile réussie l'an dernier, terminée à la deuxième place, le Maroc a donc obtenu son ticket pour participer au rendez-vous mondial, une première qui fera donc date pour les protégés de Reynald Pedros. Et leur premier adversaire est un sacré morceau. C'est l'Allemagne, double championne du monde et favorite à la victoire finale, qui sera donc le tout premier adversaire du Maroc, un adversaire coriace, qui va plonger les Marocaines directement dans le grand bain. Rizlane Chebec, capitaine courage, va réaliser le rêve de son défunt père, champion d'Afrique en 1976, mais absent en 1970 à cause d'une blessure. Emmenée par elle, ce sont 10 guerrières qui vont entrer le couteau entre les dents pour défendre l'honneur de tout un peuple et tout un continent. Les Lions de l'Atlas, qui n'ont pas réussi à inscrire un but en 3 matchs de préparation, ne sont pas les favorites et risquent de poser des problèmes à celles qui les sous-estiment. Dans ce groupe H des finalistes continentales, le Maroc sait qu'un bon départ pourrait les booster, mais également que les matchs importants seront ceux après la grosse opposition face à l'Allemagne. La conférence de presse, en tout cas, donne envie d'y croire. Reynald Pedros, sélectionneur de l'équipe nationale, tout comme Rizlane Chebec, la capitaine, ont paru concentrés et détendus. Les Marocaines se sont préparées longuement et sont donc prêtes. Seule la vérité du terrain compte et les Lions de l'Atlas vont exploiter la moindre faille de leur adversaire. Une équipe d'Allemagne qui sera privée de 2 titulaires, la défenseuse Marina Egering et la milieu Lena Oberdorf. Des Allemandes qui ont clos leur préparation par une défaite peu rassurante face à la Zambie, étriée elle 5-0 hier par le Japon pour sa première en Coupe du Monde. Le Maroc veut créer la sensation de ses premiers jours de compétition en suivant l'exemple des hommes demi-finalistes au Qatar en 2022. Rizlane Chebec, en conférence de presse, a souvent évoqué la force mentale de ses homologues masculins. À elle de suivre l'exemple pour le plus grand bonheur des supporters marocains qui seront tous derrière les Lions de l'Atlas. Ce sera demain à partir de 9h30. Et on leur souhaite évidemment beaucoup de succès. Merci beaucoup Jamal et à samedi prochain. Sport toujours avec cette information qui nous parvient à l'instant. Le cavalier Abdelkabir Wadar, montant le cheval Seka Malouin, a remporté ce soir le prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au titre du championnat du Maroc senior de saut d'obstacle dans le cadre de la 38e édition de la Semaine du Cheval organisée au Royal Complexe des Sports Équestres et Tvolida à Rabat. Taloudent a vibré tout au long de ce week-end au rythme de son festival dédié à la Dqar Oudaniya. 3 jours de célébration pour valoriser un patrimoine ancestral. Ce voyage dans le temps au cœur de ces mélodies qui ont transcendé les siècles nous est raconté par Rachid Latfi et Lina Wafi. Un
un festival pour célébrer la préservation de la culture marocaine et l'art traditionnel de Taroudent. La musique Tqa, dans le rythme envoûtant, a captivé spectateurs et participants. De quoi mettre en avant ce patrimoine ancré dans le paysage culturel et artistique national. À travers ce festival, nous cherchons à construire des ponts entre les régions du royaume et à créer un véritable dialogue culturel à travers des arts authentiques que nous nous efforçons toujours de faire perdurer. Aujourd'hui, le ministère de la Culture tient à préserver notre patrimoine et le transmettre aux générations futures. Ces troupes folkloriques sont venues de différentes régions du royaume pour partager leurs danses éloquentes et leurs mélodies harmonieuses qui témoignent de l'identité marocaine. Cette édition était également l'occasion de rendre hommage à ces figures emblématiques, les gardiens spirituels qui contribuent quotidiennement à la préservation de cet art. Je suis très heureux de recevoir cet hommage. Nous en avons reçu quelques-uns auparavant, mais au Maroc, dans notre pays, il revêt d'un sens particulier. Je tiens à remercier et saluer cette initiative. Des histoires racontées avec splendeur et précision, un rythme captivant dont ne se lassent pas les spectateurs. Cette clôture rappelle l'importance de promouvoir ce remarquable patrimoine et assurer sa pérennité et sa transmission aux générations futures. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal. 37 millions d'Espagnols étaient invités à prendre le chemin des urnes ce dimanche afin de décider s'ils renouvellent le mandat du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, El Messia de Bouchalaïf. Ensuite, ne ratez pas votre téléfilm du dimanche soir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine.